Bonjour chers amis supporters, donc on va vous faire un petit tour de notre hôtel, vous expliquer pourquoi on a choisi l'hôtel Paradise Golf Lake. Voilà, moi j'ai décidé de prendre cet hôtel parce que d'abord c'est un cadre qui est très calme pour nous. J'ai eu plusieurs expériences de Coupe du Monde où on a été enfermé dans des monastères où après un mois ou deux c'était devenu impossible pour survivre. Ici on va vous montrer tout l'espace que l'on a et on va vous faire une petite visite guidée, comme ça vous savez dans quelle installation on va pouvoir se préparer et essayer de faire la meilleure Coupe du Monde possible. Donc suivez-moi. Donc tout simplement nous allons maintenant emprunter un léger chemin environ à 200 mètres de l'hôtel. L'hôtel a des murs de 2 mètres de haut avec des barbelés électriques, donc impossibilité de rentrer. Donc on a un service de sécurité qui sera permanent. Grâce évidemment, je pense que l'hôtel fait quelque chose comme... c'est même tellement difficile à dire, je crois qu'il y a bien 10-15 hectares, donc avec un terrain de golf. Donc en ce qui concerne ça, c'est pas mal. On a gardé les infrastructures, évidemment, à l'intérieur de l'hôtel, qu'on ne doit plus sortir. Comme ça, on n'aura pas de déplacement en car, ni de navette. Voilà, on est à 300 mètres. Et là, on a maintenant deux terrains. Et comme, évidemment, il y a des installations de golf, il y a tout ce qui est pour l'entretien de la pelouse, pour qu'on ait une pelouse exceptionnelle, pour essayer de jouer très vite. Vous savez que pour les joueurs, c'est très important d'avoir une pelouse en bon état, et ça a été la grande difficulté ici au Brésil sur les 8-9 stades que l'on a vu, de trouver une pelouse qui était excellente. Daar kunnen we ook zien, als we hebben een gekwetste of iemand ziek, kunnen we direct met helikopter brengen. Het is altijd een voordeel als we kunnen rap naar de kliniek gaan als iets gebeurt. Voilà, je rentre sur le terrain, vous pouvez voir le terrain. Maintenant pour l'instant c'est évidemment l'été ici, c'est un peu sec, mais il est garni d'un système d'arrosage intégré qui nous garantit que le terrain sera en parfait état. Et quand j'étais venu il y a 8 mois, il n'y en avait qu'un, donc on a demandé un deuxième. Le deuxième est déjà semé là à côté, donc on va vous le présenter après. Et surtout, pourquoi je veux absolument un terrain impeccable, c'est que pour la rapidité de la circulation de balles, c'est très important. Et chaque joueur, évidemment, il y a une chose qui fait plaisir quand on est joueur, c'est qu'au moins l'outil de travail, si je peux appeler comme ça, est impeccable. Donc avant de demander à mes joueurs la perfection, il faut que moi je sois parfait dans tout ce qui a été désigné avec le staff. Et vous pouvez voir par vous-même, c'est parfait, c'est un vrai billard. Alors nous aurons évidemment cette petite cahute que vous voyez là, ça ce sera désigné pour le matériel qui devra directement être imposé là-bas, comme ça on n'a pas à prendre les chaussures et tout ce qui s'ensuit, donc beaucoup plus facile à pouvoir intégrer pendant 3-4 semaines où tous les entraînements se passeront ici. Donc on compte venir environ 10 jours avant le début du tournoi, plus normalement déjà au minimum 15 jours. Donc ça veut dire 3 semaines et demie d'entraînement, donc on va organiser que toutes ces structures soient là. Pour ce qui concerne la logistique, tout ce qui est chaussures, matériel et tout ce qui s'ensuit sera là. Et à côté de vous, il y aura un local pour la presse où il y aura une tente qui sera mise avec internet, wifi, tout ce qui s'ensuit pour que les médias puissent bien travailler et surtout vous renseigner. Nous arrivons dans la salle de musculation. Très important d'avoir ça à disposition évidemment. Voici la salle, très spacieuse, beaucoup d'appareils pour renforcer tout ce qui est épaules, quadriceps, ischio, voilà, tout ce qu'il y a, tout ce qu'il faut, avec une vue magnifique justement, un dégagement qui est sur l'étang, donc parfait, on peut regarder, on a une vue impeccable pour pouvoir bien travailler. Tous les appareils sont donc, on a fait un cadastre de tous les poids qu'il y a, comme ça on va venir avec notre propre matériel, ceux qui n'ont pas, mais c'est déjà une salle qui est très très complète. Voici cette petite piscine qui nous permet, quand on a des blessés, vous savez qu'on doit avancer progressivement avec des joueurs et là ils peuvent commencer à faire leur rééducation d'abord dans le bassin, dans le grand et après en salle de muscu. Et puis ils vont dehors faire un footing de 3-4 km, là on verra tout ça étape par étape. Ok, zo zijn we binnen. Dat is al onze vaste ruimte. Speciaal voor ons, komt niemand hier. Dat is alleen voor de speler wat we kunnen hier eten. En ook de mogelijkheid, een paar keer als het mooie weer is, kunnen we ook op terras profiteren. Ze gaan alles voor ons voorbereiden. Hiernaast, deze gesloten ruimte, hier wordt een terras gemaakt
met een dak droppen. Waar we kunnen goed ademen, goed eten, heel mooie ruimte. Voici deux salles de jeu qui vont être aménagées ici. Voilà, vous pouvez voir. Il y a aussi une très grande salle qui, elle, va servir pour tout ce qui est le secrétariat. Secrétariat avec tout ce qui est internet, tout ce qui est photocopieuse, tout ce qu'on a besoin. Et voici l'endroit principal pour moi où on pourrait regarder les matchs en direct. On pourra faire tout le scouting qui est avec la salle de vidéo, très importante pour nous, pour les théories d'avant-match. Voilà, salle extraordinaire, 50 places, tranquille. Fauteuil magique, donc tout ça pour être ensemble, pour regarder les matchs et pour faire tout ce qui est la théorie et les analyses d'Hermann Lanzer sur l'adversaire et puis pour ma théorie à moi-même. Donc voilà, je vous venais de découvrir tout ce qui va faire notre petit monte au niveau de la Coupe du Monde. Je hope dat jullie weten een beetje meer van onze leven hier, van de hotel, accommodatie. We hebben geprobeerd het beste te maken voor onze nationaalploeg en we gaan. Iedereen, denk ik, probeert gelukkig te maken. We gaan het maximaal doen. Meer kunnen we niet doen, dan kunnen we niet ontevreden zijn. Bedankt. Piscine qui nous permet quand on a des blessés, vous savez qu'on doit avancer progressivement avec des joueurs et là ils peuvent commencer à faire leur éducation d'abord dans le bassin, dans le grand et après en salle de muscu et puis ils vont dehors faire un footing de 3-4 km, là on verra tout ça étape par étape. Oké, zo zijn we binnen. Dat is al onze vaste ruimte. Speciaal voor ons, komt niemand hier. Dat is alleen voor de speler waar we kunnen hier eten. En ook de mogelijkheden, een paar keer als het mooie weer is, kunnen we ook op terras profiteren. Ze gaan alles voor ons voorbereiden. Hiernaast, deze gesloten ruimte, hier wordt een terras gemaakt met een dak droppen. Waar we kunnen goed ademen, goed eten, heel mooie ruimte. Voici deux salles de jeu qui vont être aménagées ici. Voilà, vous pouvez voir. Il y a aussi une très grande salle qui, elle, va servir pour tout ce qui est le secret. Bonjour, chers amis supporters. Donc, on va vous faire un petit tour de notre hôtel, vous expliquer pourquoi on a choisi l'hôtel Paradise Golf Lake. Voilà, moi, j'ai décidé de prendre cet hôtel parce que d'abord, c'est un cadre qui est très calme. Pour nous, j'ai eu plusieurs expériences de Coupe du Monde où on a été enfermé dans des monastères où après un mois ou deux, c'était devenu impossible pour survivre. Ici, on va vous montrer tout l'espace que l'on a et on va vous faire une petite visite guidée. Comme ça, vous savez dans quelle installation on va pouvoir se préparer et essayer de faire la meilleure Coupe du Monde possible. Donc, suivez-moi. Donc, tout simplement, nous allons maintenant emprunter un léger chemin. Environ à 200 mètres de l'hôtel. L'hôtel a des murs de 2 mètres de haut avec des barbelés électriques, donc impossibilité de rentrer. Donc on a un service de sécurité qui sera permanent. Grâce évidemment, je pense que l'hôtel fait quelque chose comme... c'est même tellement difficile à dire, je crois qu'il y a bien 10-15 hectares, donc avec un terrain de golf. Donc en ce qui concerne ça, c'est pas mal. On a gardé les infrastructures, évidemment, à l'intérieur de l'hôtel, qu'on ne doit plus sortir, sera en parfait état. Et quand j'étais venu il y a 8 mois, il n'y en avait qu'un, donc on a demandé un deuxième. Deuxième est déjà semé là à côté, donc on va vous le présenter après. Et surtout, pourquoi je veux absolument un terrain impeccable, c'est pour la rapidité de la circulation de balles. C'est très important et chaque joueur évidemment, il y a une chose qui fait plaisir quand on est joueur, c'est qu'au moins l'outil de travail, si je peux appeler comme ça, est impeccable. Donc avant de demander à mes joueurs la perfection, il faut que moi je sois parfait dans tout ce qui a été désigné avec le staff. Et vous pouvez voir par vous-même, c'est parfait, c'est un vrai billard. Alors nous aurons évidemment cette petite cahute que vous voyez là, ça ce sera désigné pour le matériel qui devra directement être imposé là-bas, comme ça on n'a pas à prendre les chaussures et tout ce qui s'ensuit. Donc beaucoup plus facile à pouvoir intégrer pendant 3-4 semaines où tous les entraînements se passeront ici. Donc on compte venir environ 10 jours avant le début du tournoi, plus normalement déjà au minimum 15 jours. Donc ça veut dire 3 semaines sortir. Comme ça on n'aura pas de déplacement en car ni de navette. Voilà, on est à 300 mètres et là on a maintenant deux terrains. Et comme évidemment il y a des installations de golf, il y a tout ce qui est pour l'entretien de la pelouse, pour qu'on ait une pelouse exceptionnelle. Pour essayer de jouer très vite, vous savez que pour les joueurs, c'est très important d'avoir
une pelouse en bon état. Et ça a été la grande difficulté ici au Brésil, sur les 8-9 stades que l'on a vus, de trouver une pelouse qui était excellente. Daar kunnen we ook zien, als we hebben een gekwetste of iemand ziek, kunnen we direct met helikopter brengen. Dat is altijd een voordeel als we kunnen rap naar de kliniek gaan als iets gebeurt. Voilà, je rentre sur le terrain, vous pouvez voir le terrain. Maintenant, pour l'instant, c'est évidemment l'été. Ici, c'est un peu sec, mais il est garni d'un système d'arrosage intégré qui nous garantit que le temps est demi d'entraînement. Donc on va organiser que toutes ces structures soient là. Pour ce qui concerne la logistique, tout ce qui est chaussures, matériel et tout ce qui s'ensuit sera là. Et à côté de vous, il y aura un local pour la presse où il y aura une tente qui sera mise avec internet, wifi, tout ce qui s'ensuit pour que les médias puissent bien travailler et surtout vous renseigner. Nous arrivons dans la salle de musculation. Très important d'avoir ça à disposition évidemment. Voici la salle, très spacieuse, beaucoup d'appareils pour renforcer tout ce qui est épaules, quadriceps, ischio. Voilà, tout ce qu'il y a, tout ce qu'il faut, avec une vue magnifique justement, un dégagement qui est sur l'étang. Donc parfait, on peut regarder, on a une vue impeccable pour pouvoir bien travailler. Tous les appareils sont donc, on a fait un cadastre de tous les poids qu'il y a, comme ça on va venir avec notre propre matériel, ceux qui n'ont pas. Mais c'est déjà une salle qui est très très complète. Voici cette petite.